Et oui, mes chers amis, ici nous sommes à Cassis avec son port que vous voyez ici. Voilà. Un endroit magnifique où il fait bon vivre. Voilà, mes chers amis, ici, comme vous voyez, son port de pêche à Cassis avec sa capitainerie ici, que vous voyez. Voilà, et ses bateaux et ses autres quais avec son phare au loin. Et voilà. Et les autres bateaux de pêche, que vous voyez, on verra un peu plus tard. Voilà sa façade aussi, que vous voyez, de Cassis. Alors, on aperçoit en haut, mes chers amis, un ancien château que vous voyez qui est perché au-dessus du village de Cassis. Et en dessous, avec les belles falaises que vous voyez, regardez-moi ça, c'est magnifique. Avec ces petits bateaux que vous voyez, les petits pointus, les bateaux de pêche. Alors, ici, mes chers amis, vous avez les bateaux. Bateau pointu, comme on appelle ça, ici. Voilà, avec leur particularité. Comme vous voyez, le devant. Voilà. Avec leur nez. Et leur matricule. Et là, on voit quand même que ça a été celui-là restauré. Et qui font partie quand même, quelque part aussi, du patrimoine. Parce que ces bateaux-là, ce sont des bateaux plaisanciers dont les petits pêcheurs sont quand même attachés. Vous voyez. Et voilà cette belle vue que vous voyez, mes chers amis, avec le port, la ville au loin, son église au loin, ses falaises au loin. Et voilà. Son casino de jeu barrière au loin. Et ici, la grande digue que vous voyez avec le reste du port. La sortie du port avec son phare et la mer au loin. Et voilà son boulodrome à Cassis, comme dans toutes les communes qu'on trouve. Et voilà, avec ce beau temps magnifique. Et voilà, mes chers amis, ici la plage de Cassis que vous voyez. Voilà. Avec une influence de gens et la mer que vous voyez en face de moi. Et voilà, ici, tel comme vous voyez, Cassis avec son port, son église en face, ses commerces que vous voyez aussi en face. Voilà. Alors, on avait vu tout à l'heure le pont de Tia et tous les gens des files d'attente. C'est impressionnant. Et là, avec son port que vous voyez ici. Alors, ici, mes chers amis, nous sommes devant l'hôtel de ville de Cassis. Voilà. Avec ces trois drapeaux qui flottent, avec ces belles façades et ces plantes aussi que vous voyez. Voilà, ici, ces belles façades que vous voyez. Et son sol, bien sûr. En pierre galée. Avec son parcours au loin. Et une place devant. Et voilà une des rues de Cassis que vous voyez. Voilà. Une genre de rue à l'infini. Voilà. Alors, mon cher
Cadron. Alors nous sommes ici un petit peu dans les rues. Bah tiens, on va passer un petit peu par ici. Voilà. Alors on évite un petit peu de filmer là où il y a beaucoup de présence des gens parce que c'est vrai. Les gens sont un petit peu trop coincés sur cela. Et puis aussi, bon, le droit à l'image, pas tant fin. Mais bon, en tout cas, c'est quand même, voilà, Cassis avec une place principale que on est allé devant l'hôtel de ville et tout. Là, on va aller essayer de trouver cette église. Alors, qu'est-ce que tu penses toi de Cassis? Comment tu qualifies cette ville, si je m'en sors? Alors, moi, Cassis, ville, c'est un village, c'est quoi pour toi? Pour moi, Cassis, pour moi, je trouve que c'est, ça peut être un village, mais c'est pas un village médiéval, on va dire. Ouais. Mais c'est un village pour moi qui est touristique. On va dire ça. Plus Cassis, pour moi, plus Cassis, quand on entend parler de Cassis, c'est plus le port, la mer, les pointus. C'est plus ça. On passe par là. Et personnellement, Cassis, pour moi, je suis jamais allé. Mais c'est super sympa. Après, il faut vraiment connaître les endroits. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc? Bah écoute, moi je te dirais que c'est sympa parce que t'as beaucoup de rues comme ça, comme ici. Et rue Michel, bon, on n'est pas le plus. Et du coup, oui, c'est quand même assez sympa, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu un petit village, quoi, en fait, Cassis, si je comprends bien. Donc là, on arrive dans une autre rue, là. Donc, oui, on voit, regarde, l'architecture que tu vois ici. Voilà, la pierre. Tu vois. Et en même temps, c'est plus un. Ça me fait penser à Sanary-sur-Mer ou un petit peu. Ou un petit peu comme aussi à comment ça s'appelle aussi le village. Non, pas le Castellet, mais un petit peu, tu sais, ça me fait penser à mince. Je ne me rappelle plus ce village. C'est un village. La Calle de Dur? Non, ça n'a rien à voir. Je n'ai plus en tête. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est assez sympa. Tiens, on va penser la caméra pas ici. Parce que là, tu vois, regarde, c'est assez sympa. Regarde. Tu vois? Comment c'est beau. Voilà. Mais tu vois, ça me rappelle un autre village dans le Var. Bon, allez-y, à plus tard. Et voilà les rues de Cassis, c'est tel comme vous voyez ici. Voilà. Et voilà mes chers amis, avec la place ici. Et voilà mes chers amis, ici nous sommes devant l'église de Cassis que vous voyez. Voilà, avec sa place ici. Tel comme vous voyez. Et voilà, tout en pierre. Et voilà mes chers amis, regardez, on va partir comme ça, comme des voleurs. Regardez moi ça, cette belle vue, vous voyez, mamma mia. Il y a une chanson comme ça qui s'appelle comme ça, hein. Regardez, avec Cassis au loin. Et au large, au loin, beaucoup plus loin, voilà, toute la côte que vous voyez, ici, voilà. Direction Marseille, et voilà, toute la Méditerranée, ici. Alors, mes chers amis, eh bien, moi je vais vous dire, en tout cas, c'est un plaisir. Thank you.
c'était une merveille. Je pensais pas avoir une personne comme toi qui m'a accompagné en voiture jusqu'au bout. Parce que c'est moi qui je connaissais un peu, mais ça faisait longtemps que je suis plus retourné. J'ai des bons souvenirs, ma famille, tout ça. Mais sinon, franchement, des bons projets qu'on pourrait se réaliser ensemble à Calcis, voire ailleurs, dans tout mon département. Et franchement, je remercie à toi, Jean-Marc. Ouais, bien sûr. Pas mal. Bon, on va donner comme ça, sans de. En tout cas, on a une visite en route des Crêtes. Donc, et en face, je vais arriver. Et puis, en tout cas, c'est magnifique. Alors, on aura peut-être à prendre un peu plus tard, mais moi en tout cas, nous en tout cas aussi, moi je vous dis en tout cas à très très bientôt pour d'autres numéros, d'autres découvertes, et on se dit avec de nouvelles images à exposer, les yeux à être touchés, le soleil trop loin. Allez, ciao, ciao.